Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Final Fantasy XIV avec les aventures de Nimitz Fandragon. Alors on va faire la force de Bardam. Je suis en groupe avec Guillo, Pluton et Radan. Et du coup, je suis avec eux sur l'audio. Donc on va dire bonjour à tous. Donc nous voilà. Salut, re, Pluton. Ouais. Et je lance participer, let's go. Donc bon, ça mérite d'être rapide, on démarre direct. Oui, voilà. On a vite trouvé quelqu'un, dis donc. Incroyable. La force de Bardam. Eh ben dis donc. Ah mais il y a des furets à affronter ici aussi. Je crois. T'as tout à manger. Je suis grand. J'aime bien ton chapeau. C'est le chapeau du Maelstrom. Ouais voilà. Mais c'est pas un uniforme du Maelstrom que t'as là. C'est juste son chapeau. C'est juste il y a que le chapeau. D'accord. Et il avait très bien le chapeau. Ça fait vraiment corsaire de lui. Ça fait pirate presque même. Pas corsaire, pirate. Wow. Attention, ouais. Salut Eldarur. Eh ben, bon retour. C'est un bail qui était pas venu. Quand tu dis un bail, ça se compte en mois ou en années? C'est possible que ce soit en année, hein, honnêtement. Il faut que... Non, ah non, il faut pas. Ah, il y a le gouffre de A. Ah, les fameux... Murs. Les fameux murs qui ressemblaient à un mur de loin. Une année, d'accord. Qui ressemblaient à un mur. Ouais, incroyable, hein. C'est des murs de Bardam en plus. C'est des murs nomades, écoute. C'est tout à fait adapté à la région. D'accord, ok, merci. Ça marche, Eldarur. Bon, t'as débarqué du coup quand j'ai repris les vidéos l'année dernière. Quoi. Chaîne Twitch, d'accord. Oh, Divinity 2. Amuse-toi bien dessus. En plus, t'as de la chance parce que je l'ai fini il y a quelques mois, ce let's play, alors que je l'ai commencé il y a des années. C'est vrai qu'il est bien, ce jeu. Et que je refasse un jour avec d'autres... avec les autres familles, parce que j'ai fait qu'une run. Bah, au final, j'en ai fait deux, moi, du coup, et... Mais la deuxième, j'ai fait tellement des années plus tard qu'il y avait trois quarts des trucs, je m'en rappelais plus, quoi. Et il faut dire que ce jeu, surtout au début, il est super dur, en fait. Par contre, en vrai, je sais même pas si je pourrais jouer, parce que j'ai vu que maintenant, je suis sur la PS5 et que je l'ai joué sur PS4. Ouais. Je sais pas si je pourrais l'utiliser. Je savais même pas qu'il était sur console. Bah, j'ai entendu... Il est sorti un an après la version PC sur console. D'accord. Pour ça, en vrai, je pense que Baldur's Gate 3, s'ils font ça, bah pareil, ils peuvent bouger le jeu. Ouais. Non, pas c'est la liste de ça à faire, que ce soit, c'était ça à faire le premier tour, mais c'est pas persévéré. Donc c'est. Vraiment ça à faire. Je n'ai plus capable de tout les faire. Non, t'inquiète pas, j'ai regardé un guide qui racontait des histoires de petits. Ah putain, il me suit. Faut que recule. Je suis
suis au max. Je peux pas reculer plus. Ah. Ah oui, j'avais oublié ça. Ah bah si t'as des questions Eldarur sur FF14 vu que tu as commencé il y a pas longtemps, n'hésite pas. Hein. On en fait tous les mardis soirs de toute façon. Donc si tu veux passer, que t'as besoin d'un coup de main pour quelque chose, tu nous dis. Hein. J'entends plus ton accent sur les équipes, quoi. Est-ce qu'ils font déjà une sorte de pénible? Good, man. Je peux y rentrer. Ah bah ouais. Si c'est ma soeur, un milieu, ça si elle a pas l'air à comprendre. Je sais pas, il y a un Michael sur le milieu, il a pas réussi. Enfin, tu sais, il est arrivé. Je... Ah, qu'est-ce qu'il a fait entre les deux? C'est fait pire. Ah, ah non. T'as Radan, tu triches quoi. Toi, t'as un truc pour te téléporter quoi. Je peux téléporter quoi. GG. Pour la suite. Perdu. Non, c'est bon. C'est les Malenors qui peuvent se téléporter littéralement. Oui, quand j'ai dit téléporter, c'était le. Je parlais du saut périlleux arrière. Ah non, mais les Malenors, ils ont vraiment un truc. Ouais, ils ont vraiment une téléportation, ouais. Les moineaux aussi. Tu aimes beaucoup. Je ouais. Je peux aller là-bas. J'aime beaucoup le nom Fond Dragon, ouais. C'est le nom de mes persos dans des RPG en général, en fait. Enfin, dans les RPG médiévaux quoi. Oula, y a un gros marteau. Vite, cours, 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 cours avant que ça tombe. Vu qu'on part pour ma vie de descendre, je vais viser plus vite que le plus. Je cherche ton nom. Pas dire, mais Pluton, il a plus de vie là. T'inquiète. Non, en vrai, ça va, la prendre. Oui, tant qu'il est vivant, tout va bien. Ouais, ça, tu prends plus de dégâts parce que ton perso est pas habitué à porter une armure. Du coup, il subit un debuff. Tu vois? Bah, tant pis, j'accepte ce debuff. Je ne changerai pas mon habitude. Ah, mais c'est des espèces de golems de pierre en fait, ces trucs qui ont des gros marteaux pour mains là. Ah non, ouais. Qui tiennent des gros marteaux même plutôt d'ailleurs. Ah mais d'ailleurs on va en affronter un. Ouais, mais après oh. Comme tu crois. C'est la renaissance de Bardam. Voici ma première épreuve. Faut éviter simplement. Ah. Ah. Ah non, il faut revenir. D'accord. T'as tout au bout. Sinon il fait son nom. On regarde pas limite. Les joueurs d'où? C'est bon, j'ai pas regardé mais Radan je crois qu'il a regardé. J'ai regardé deux fois. Première épreuve réussie. Putain cool. Deuxième épreuve. Faut se mettre dessus ou ouais.
faut que les trois soient occupés. Faut faire quoi là? Ah, faut être chacun dans une zone? Je dirais ça. Ah oui. Ah, t'avais oublié ça. Ah. Il va y avoir des zones qui te suivent. Moi là, c'est bon, je risque rien. Ah, j'ai même pas besoin de bouger en fait. Vague. Ah non, là il faut que je me mette derrière l'éclat d'étoile, non? Ah, bah, on sait pas encore lequel. Ouais, je crois qu'il faut être certain. Bon bah on a réussi quand même. Je suis très lentement. Pas l'habitude non. Plouf. Roa. Boum. Aïe. Quatre côtes cassées. Il ressent le Saint-Pierre à côté de ce nous. Heureusement qu'on prend pas de dégâts quand on chute de haut dans cette zone. T'imagines le cavalier de la lumière. Comment il se peut-il avoir une lumière? Enfin le héros quoi. Il meurt d'une tête nue comme ça dans un endroit. Ouais, ce serait vraiment la blade. Il dirait de la lumière. Il dirait de la lumière est mort parce qu'il a fait une chute. Le guerrier a chu. Ah, attention, il y a. Ah ah eh non, mais on est dans Indiana Jones en fait. C'était focus sur les papillons. Je pensais que c'était plus. Il y en a une autre. Ah, il y en a plein en fait. Tu es dérangé par un mob. Oui. Tu as, y a un ad dans ton bureau, c'est ça? Ouais. Moi j'en ai deux des ads, mais ouais, ils ont subi le sort de sommeil là. Ils sont tous les deux en train de dormir. Ce qui veut dire qu'ils m'ont emmerdé toute la nuit derrière. J'étais content de l'avoir pu utiliser tout seul là. Et pourquoi? Qu'est-ce que tu faisais? Il y a mon chat. Ça demande de l'attention, donc je le caresse comme ça, il se calme. Oui, oui, t'en fais pas. Oui, bon, j'avoue, ça sert aussi à autre chose. Pardon. À manger des chips. À manger des chips, oui. Non, mais l'autre sert à tuer la moitié de la population mondiale hein, que va dans un cahier. Ouais. Je prends une chips et je la mange. Et le pire c'est que j'ai même pas fait ça pour voir le signe.
C'est bien trop vilain. C'est, ça vient d'où déjà pour le livre? Enfin, c'est qui l'a fait déjà? De quel pour... Moi, c'est un chip. C'est même pas une parodie. Non, mais tu sais, vraiment, t'as quelqu'un qui genre, il monte la scène et. Je sais pas, il y a une parodie comme ça où justement il mange la chips et. Je crois qu'il pleure parce qu'il a plus de chips en tout cas. Lui, ça me dit, gars. Celui-là, je vois pas lequel. C'était ma parodie. Attends, attends. C'est ça la bestiole qu'il faut capturer? Ouais. Dominer, oui. Oui. Ah, dompter. Dompter, ouais. C'est bon. Quoi? Bon bah je vais la dompter à grand coup de tatane dans la gueule. Tiens. Ce qui est bien dans cette arène, c'est tout ce qui est derrière le boss. Là. Ouais. Ah ouais, elle est cool. Avec les cœurs. Salut Mirko. Tu connaissais pas du tout ce jeu, est-ce qu'il est cool? Oui, il est très cool. Ah, je suis confus! Ah bah putain, ma confusion m'a mis au bon endroit. Mais je suis en train de taper Radan. C'est double. C'est un MMO. C'est un MMO W. C'est un WO. On t'entend très mal, Radan. Je demandais juste, qu'est-ce que j'ai fait? Tu sais, parfois les frères ils tapent ses frères, enfin les familles se frappent un peu sans raison particulière. Fin des J. La musique est trop bien. C'est un donjon pour l'histoire. C'est j'avance dans l'histoire moi. J'ai balancé la transcendance. Hein. Ah, moi le voyageur. Hein. Je sais même pas qui c'est ici qu'on le chopait. Bon bah GG. Je crois que j'ai passé level 70 d'ailleurs, non? Non. Non, 66. Oula, bah non, j'en suis loin même. Oui. Non, je sais pas parce que j'ai eu un succès. Oh tiens, moineau voyageur. Ah, c'est Guy Lucas. Merci. Moi j'avais déjà, donc ça va. Je l'ai acheté à l'HDV. Il est. Alors, Radan, on a besoin de toi dans le chat. Ah. Attendez. Je vais ouvrir le stream. Tu peux y jouer gratuitement jusqu'au level 60 et faire le jeu de base et la première extension en entier. Et après, c'est par abonnement. Voilà, c'est... Attends, je vais me mettre en sourdine du coup, vu que j'ai du dialogue à lire. Donc, à tout à l'heure. À plus tard. Donc, je me disais bien que tu serais le premier de retour, Nimitz.
Coucou Lise. Bah elle est de retour elle aussi. Elle a réussi. Avoir ton air serein, j'imagine que tu n'as fait qu'une bouchée de la force de Bardam. De mon côté, je ne m'en suis pas trop mal tiré, malgré quelques coups de bec par-ci par-là. Tu viens ? On va attendre le retour de Gosetsu et Yen devant l'entrée. On est déjà devant l'entrée là, non ? Ok. Ah bah tiens, du coup t'es sur ton... Vous êtes chacun sur votre truc. Mais moi j'en ai un aussi ? Non, pas encore. Ah, je me disais bien que je sentais quelque chose dans ma poche. C'est les sifflets que nous a donné Cyrina. Ah bah voilà, c'est maintenant que je vais l'avoir. Tiens, voilà, essayons d'appeler nos yoles. Parce que moi, mon yole, il va pas pouvoir voler, tu vas voir. Regarde, là-haut. Non, mais ça, c'est Radan et Guilo, ça. Ils sont venus, ça veut dire qu'ils nous ont bien acceptés comme maîtres. Grâce à eux, personne ne pourra s'opposer à notre participation au Nadam. Le reste ne dépend plus que de nous, Nimitz. Nice. Donc on a eu le hapeau, enfin le sifflet. Alors en fait, Nirko, tu peux... Chaque personnage peut jouer... Enfin, chaque perso peut jouer toutes les classes en fait. T'as juste à aller discuter avec un PNJ, rentrer dans une guilde ou un truc dans le genre pour pouvoir jouer une classe. Et moi, celle que je monte en priorité là, c'est le moine qui est combattant à main nue. Alors voyons voir du coup. Parce que j'ai eu un peu du nouvel équipement. Non, oh, ça va, c'est pas trop mal. Ah, j'aime bien même. Attends patiemment le retour de Yen. Alors attends, je vais pas la faire tout de suite. Ok. Bon, remarque, si, on va continuer. Pour ceux qui sont sur le vocal du coup, je vais juste boucler, il reste encore à peu près 7 minutes pour l'épisode, donc je vais essayer de continuer un petit peu et puis après je reviendrai sur le vocal. Ce sera plus simple. Nous avons la preuve que nous avons accompli la force de Bardam. Il ne reste plus qu'à attendre Yen et Gosetsu. Cela dit, plus vite ils seront de retour, plus vite je serai rassuré. Tu veux bien me raconter comment s'est passé de ton côté, histoire de tuer le temps? Je suis certain que ça me sera utile pour plus tard. Est-ce qu'il est dur à prendre en main? Et c'est un peu... C'est... Pas tant que ça, oui et non en fait. C'est genre, il faut un peu personnaliser l'interface, il y a certains trucs qui sont pas super intuitifs pour faire ça. Il y a certains trucs comme ça qui sont pas, qui sont un peu galères et pas très user-friendly sur certaines choses. Mais c'est vraiment des trucs à la périphérie du jeu quoi, c'est pas un problème au centre du jeu quoi. Donc pour un nouveau venu, non, tu peux t'y mettre assez facilement, c'est juste que... Tout s'est bien passé. Il vaut mieux quand même avoir quelqu'un pour te conseiller certains trucs, ce genre de choses. Vous êtes en fin de retour, tous ces... Oui, bah oui, pardon. Pas besoin de lire. La taille de cette statue était impressionnante. Ce sera toujours pour moi l'une des plus grandes merveilles de la steppe d'Azim. Non, il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas vraiment de mode. Je crois pas qu'il y en a vraiment qui soient autorisés dans le jeu, d'ailleurs. Mais après ça, je sais pas trop. Moi, j'ai pas regardé parce que je sais que c'est mal perçu par le développeur quand les gens streament avec des mods. En tout cas, ce n'était vraiment pas la peine de vous inquiéter pour nous. La bonne nouvelle, voilà, c'est interdit. C'est que nous pouvons désormais participer au Nadam. J'en étais plus sûr si c'était interdit ou pas, donc merci. Ah.
Vous avez survécu à la force de Bardam. Nous venons vous chercher, sur ordre du Grand Magnaï. Vous avez vu leurs vêtements? Ce sont des Oronir, non? Qu'est-ce qu'on fait? Ce ne sont que de simples soldats. Nous n'aurions aucun mal à les vaincre, mais nous avons encore un peu de temps avant que le Nadam commence. Profitons-en pour jeter un œil à leur horde. Ce sont nos futurs alliés, après tout. Pourquoi ne pas faire un petit crochet chez eux avant de rentrer? Essayons de ne pas causer trop de soucis à Cyrina. Si les choses devaient mal tourner, on file sans demander notre reste. Merci pour l'invitation. Si vous voulez bien nous montrer le chemin. Non, pour les modes visuels, il parle plus des shaders. Les trucs qui vont altérer un peu le rendu graphique du jeu. Mais il n'y a pas les trucs d'aide, justement. Pas des métriques, pas des... Ouais, le jeu a des outils intégrés pour faire des macros. Il a des outils intégrés pour personnaliser l'interface. Il y a déjà pas mal de choses qui sont que tu peux faire avec les outils fournis par le jeu même, quoi. Il y a deux bannières différentes. Ça voudrait dire qu'il n'y a pas que des Oronir ici ? Il y a des chances, oui. Ça doit être les Oronir, vu que c'est ceux qui sont en jaune. Mais les verts, je sais pas qui c'est. Combien d'heures j'en suis? Bah en fait sur le let's play, il y a à peu près... J'en suis à épisode 175. Et chaque épisode dure minimum une demi-heure. Entre une demi-heure et 45 minutes. Donc ça fait quasiment, on va dire, en arrondissant, on va dire une centaine d'heures à peu près. Alors comme ça, vous avez triomphé à la force de Bardam. À moins qu'on m'ait mal informé. Non, c'est exact. Nous l'avons fait en tant que guerrier des morts. Je ferai après ça. Tu sembles être le chef en ces lieux. Peut-on savoir pourquoi tu nous as fait venir ici? Nos exploits t'auraient-ils donné envie de nous intégrer à ta horde? Non. Les Oronir sont les plus d'Asie. Aucune alliance ne peut permettre à qui que ce soit de devenir l'enfant d'un dieu. Quand j'ai entendu dire que des intrus s'étaient permis d'entrer dans notre jardin, j'ai donné l'ordre de les dépouiller de leurs biens s'il s'agissait de simples voyageurs. Mais puisque vous avez survécu à la force de Bardam, cela fait de vous de fiers guerriers, Zella. Ce n'est plus la même histoire. Ça vous donne le droit de vous dévouer à notre Dieu et d'obtenir sa miséricorde. Nous, ses enfants, nous vous accorderons donc notre pardon si vous vous dévouez à Azim à travers nous. Si vos services me satisfont, je vous offrirai une preuve de son affection en acceptant de prêter l'oreille à certaines de vos requêtes. Bon, lui, il me plaît pas beaucoup déjà. Tu nous ordonnes de travailler gratuitement pour toi et ta tribu, c'est ça? Tu nous prends pour des esclaves ou quoi? Et si on refuse? Ah, ça c'est malise. Toute désobéissance de votre part sera à mes yeux un manque de respect envers notre divin père, Azim. C'est un crime capital. Mais je suis prêt à me montrer clément pour cette intervention. Réfléchissez bien. Nous vous offrons une vie entière à notre service. Une existence dévouée, corps et âme, à notre Dieu, à baigner dans sa gloire. Nous sommes vraiment trop bons. Ah oui, grave. C'est exactement ce que j'étais en train de me dire. Vraiment trop bon. C'est tellement trop généreux que je suis obligé de refuser.
Mon ami Buduga souhaite apparemment que nous vous mettions au service de sa tribu. Enfin, les hommes uniquement. Ah, en plus quoi. Il n'y a aucune femme parmi eux, à l'inverse des Borlak. J'imagine que vous n'étiez pas au courant. Mais vous devez être rassuré de savoir qu'on s'intéresse à vous. D'accord, d'accord. Dis-moi, veux-tu bien nous expliquer quel genre de dévotion vous attendez de nous ? Je ne suis pas sûr de bien comprendre tout ce charabia. Oula. Ce n'est pas sur ce ton qu'on s'adresse à un fils d'Azim. Surveille tes paroles. Tu ne me manqueras pas de respect une seconde fois. Yes. Non mais Guilo, il a toutes les classes du jeu au level max, donc il a vraiment 560 jours de jeu sur FF14. Vous devrez exaucer tous mes souhaits, même les plus exigeants. Si vous êtes assez dévoué, je vous autoriserai à me poser d'autres questions. Bon écoutez, moi ça me semble être un bon deal, je vois pas pourquoi on dirait non. Hein. Jours 19h et 6 minutes. Putain, j'en suis tellement loin quoi. Mais bon, tu fais 8 x 24, ça fait 192 heures du coup. Plus 19. Ça fait 211 heures de jeu. Pour 176 épisodes. Non, parce qu'après il y a quelques heures de jeu que j'ai passé où j'ai pas enregistré. Donc ça compte pas. Ok, bon, je vais vous laisser là pour cet épisode de toute façon. Donc merci à tous d'avoir suivi. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis rendez-vous le week-end prochain pour la suite de l'aventure où on va voir si on va faire preuve de dévotion envers ce monsieur. Regardez comment je suis dévoué. C'est moi qui te suis ton supérieur. Prosterne-toi devant moi, humain. Va me chercher des croquettes. Allez, salut à tous.